بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا متعنا بمحبتك وأذن لنا في الورود بين يديك، نحن باردون لكن نكون في هذه الحالة بين يديك، لا بعدا عن يديك الكريمتين، وكلتا يديك يمين يا رب العالمين يا سميع يا عليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى الآية الثانية من سورة الغاشية، والعياذ بالله منها الآية الغاشية، لا تنبئوا إلا بما هو عظيم من سوء الطعلة ومن بؤس المصير. نحن نسأل الله أن نكون من هذا القبيل. ربنا ألهمنا رشدنا حتى لا نخيبك أبدا الآباد يا رب العباد. الآية هي أنا أدعوكم جوزا تفل جوزا بيت دوبيان اتجي لو دوزيام فيرسي دو شابيتر لانفايستون أو بيان لور أو بيان لور دو جوجمون ديرني qui sera bien décisif par le verdict divin, que ce soit pour les gens, les hôtes du paradis ou ceux de l'enfer où il y a la boue, l'eau bouillonnante et il y a tous les types de châtiments et de supplices. Donc, dès maintenant, il faut bien choisir son chemin. Un chemin qui mène à l'agrément divin et l'autre qui mène vers les malédictions en totalité. Au jour où il y en a une khashia, en ce jour-là, que ce soit la fin du monde ou le jour du jugement, il y a des visages qui sont humblement baissés par la peur qui sont dans leur profondeur, que maintenant, ce qu'ils ont rejeté auparavant, il est devant eux maintenant. Voilà. Au jour où il y en a une khashia, donc des yeux baissés, parce qu'ils n'osent pas voir ce qui leur attend dans l'enfer et quelle mauvaise destinée. Le verset suivant. Aminatun nasiba. Donc, Amila, Nasiba, ils sont bien terrassés, ils sont bien chargés par les chaînes, par les soucis, par les différents types de supplices. Amila, tout Nasiba. Donc l'accablement et les toutes les souffrances. Amila, tout Nasiba. On a ça, en général, c'est pas quelque chose de bien. On a ça, c'est quelque chose qui crée les fatigues, qui crée les dépressions, qui crée les paniques, etc. Et les déceptions. Dans la Narhan, ça dit, ils seront introduits dans un feu très brûlant, qui grille les os, les muscles, la peau, etc. etc. Tasla naran hamia. Tuska min ayn anya. Et ça brûle à une source où il y a de l'eau bouillonnante, mais avec du plus du sang. Laisa la ta'amu illa mudari. Elle n'aura comme alimentation que quelque chose du type varesh où il y a beaucoup d'épices. La ta'amu. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Donc il est non nourrissant pour redonner du muscle, du tonus, etc. De la beauté, il n'y a pas de beauté là-bas. Il n'y a que le défaut de la chair. C'est tout ce qu'il y a de plus malfondant. Là, il se laisse, mais on le rit toujours. Et puis, on ne peut pas dire que la fin, elle est prête. Il y a toujours un état de fin interminable. Là, il se met au même jour. Et puis, il y a le côté
opposé, c'est à nous de revenir à ce côté-là, parce que nous croyons en Dieu, nous sommes unicités, nous sommes bien soumis à lui, nous exécutons ses ordres, et nous sommes dans le cadre de la piété, de la dévotion, et voilà le secret de notre félicité. Dans le ciba, au-delà de là, c'est vraiment le travail.